Merci. Donc, mon nom, c'est Djibril Maguenbeng, directeur des investissements de Grofin Sénégal. On a voulu organiser cet événement en prélude de la Journée internationale de la femme pour permettre de réunir un certain nombre de PME qui sont gérées par des femmes, des fonds d'investissement, des femmes leaders, des cabinets de conseil et d'autres structures, mais aussi des structures gouvernementales pour nous permettre un peu de discuter de la problématique du financement des PME qui sont gérées par les femmes. Et donc, comme je disais tantôt, c'est un événement que nous avons fait en prélude à la Journée internationale de la femme du 8 mars, mais aussi pour discuter de l'impact des entreprises gérées par les femmes au niveau du Sénégal. Ça peut être en termes de création d'emplois, en termes de création de revenus dans la communauté, mais aussi d'autres aspects sociaux qu'on peut intégrer dans le cadre des activités que les femmes font au niveau du pays. Et on a eu la chance d'avoir au niveau de la journée d'aujourd'hui un panel avec quatre intervenants, dont deux promotrices de petites et moyennes entreprises que nous avons eu à financer. Il s'agit de l'école internationale représentée par Fatou Gaye, mais aussi Prestige SAS qui est représentée par Maimouna Diorfa. Donc c'est un showcase qu'on a voulu faire pour voir ce qu'on est en train de faire dans l'écosystème des PME au Sénégal, mais aussi pour discuter un peu des défis, des enjeux et montrer qu'avec beaucoup de volonté, il y a la possibilité de faire de grandes choses dans ces pays, surtout par ces femmes qui gèrent ces entreprises. Vous savez, la solution de Grofin porte effectivement sur l'accompagnement et le financement. C'est la solution. C'est quelque chose qui nous différencie un peu par rapport à d'autres financeurs, si je peux m'exprimer ainsi. Dans la mesure où, à chaque fois qu'un partenaire vient nous voir dans le cadre d'un financement, on essaie de préparer le partenaire pour qu'elle soit ou bien qu'il soit prêt à recevoir des financements au niveau de Grofin. Ça peut durer un mois, deux mois, trois mois. Ça peut durer plus de trois mois en fonction des besoins que nous trouvons. Mais aussi, une fois qu'on a trouvé la porte d'entrée dans le cadre de l'activité et qu'on mette en place le financement, on essaie d'appuyer encore. Donc, tout au cours du prêt, on essaie de voir mais comment on peut apporter un plus dans le cadre de la gestion. Parce que même le fonds que nous utilisons actuellement, ça s'appelle un fonds SBG, Small and Growing Business. C'est-à-dire on veut avoir des structures qui sont assez petites, on veut les aider à grandir. Et pour cela, on veut raconter une histoire. Vous étiez là et grâce à notre appui technique et financier, on a pu vous aider à peut-être achever un certain nombre de défis qui étaient et de contraintes qui étaient devant vous. Donc, ce qui fait que c'est un processus qui est très long, qui ne fait pas, c'est pas un an, c'est pas deux ans. Et c'est aussi dans la raison pour laquelle à chaque fois que nous signons un contrat de prêt, à côté, il y a un contrat d'assistance technique pour accompagner la petite et moyenne entreprise. Je m'appelle Maimouna Diorfal, je suis CEO fondatrice de Prestige SAS, qui est un découlement d'une société Kisakala. Donc, nous évoluons dans le domaine de la restauration catering avec l'événementiel aussi. Donc, avec un portefeuille client beaucoup plus institutionnel et une démarche qualité qui apportera avec innovation pour répondre aux besoins du consommateur et des clients. Exigeant encore plus. Déjà, cette journée du 8 mars, c'est pour nous le fait que plusieurs sociétés soient dirigées par des femmes montre aussi, déjà à mon niveau, je pense que tout mon top management sont des femmes dont j'ai entièrement confiance et qui ont prouvé, qui ont montré qu'elles étaient capables, jusqu'à nommer une de mes responsables en tant que directrice générale. Ça montrait vraiment l'engagement qui est derrière. Mon chef cuisinier, les chefs qui sont représentés sont des femmes aussi. C'est une journée pour nous qui veut dire beaucoup dans l'écosystème actuellement au niveau entrepreneuriat, au niveau entreprise vraiment locale, qui est vraiment c'est les femmes qui soient mises en avant et qui gèrent convenablement. Maintenant, Grofin nous a apporté un soutien, ce soutien financier et cet accompagnement technique qui nous permet de mieux préparer le déploiement, le développement de notre structure en maîtrisant toute la chaîne de valeur et surtout
au niveau de l'exploitation, avoir une bonne maîtrise de la boîte. Donc, je suis le professeur Fatouga Ndiaye, agrégé en odontologie conservatrice en odontie. Et je fais partie des actionnaires. Je suis la directrice générale de l'École dentaire internationale qui forme des docteurs d'État en chirurgie dentaire. Et nous avons aussi pour le moment deux filières, l'orthophonie et la psychomotricité. Et nous sommes très heureux de pouvoir aujourd'hui être là par l'entregent de Grofin qui nous a permis en tant qu'entreprise d'avoir un tableau de bord bien structuré et de pouvoir derrière avoir une feuille de route par rapport aux objectifs que nous nous sommes fixés dans le court, moyen et long terme. Nous avons deux pieds, la formation, l'éducation, mais aussi la santé en tant que prestataire de services. Et dans le cadre de l'École dentaire internationale, nous comptons créer des centres d'application clinique avec un pool de dentistes, de centres pour enfants vivant avec un handicap, ainsi que tous les corps de métiers paramédicaux autour que nous voulons former avec les nouvelles technologies de dernière génération et avoir un personnel qui s'inscrit dans la vision que nous avons, à savoir former des dentistes, des praticiens de qualité, dispenser des soins de qualité, mais aussi avec une accessibilité financière, une accessibilité géographique qui nous permet, avec les centres d'application, d'en avoir au moins un dans chaque région du Sénégal pour diminuer la distance à parcourir pour trouver un spécialiste. Mais aussi au-delà, nous n'avons pas oublié l'espace CDAO. Avec la libre circulation des biens et des personnes, cela nous amènera, et nous avons déjà la demande pour créer EDI Congo, EDI Mali, EDI Guinée, etc., dupliquer en fait l'expérience que nous avons vécue. Et cela, nous avons et nous osons aujourd'hui parce que nous avons l'accompagnement de Grofin.